Comme d'habitude, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Ce n'est pas seulement une formalité, parce que je le vois chaque fois que plus on parle de communication virtuelle, des forums de discussion, des blogs, plus on voit en vérité que rien ne peut remplacer la discussion entre des personnes physiquement présentes, entre des personnes réelles, donc qui écoutent, pas seulement une ou deux phrases dans un blog, mais qui écoutent comme une conférence, et qui après formulent leurs questions, leurs objections, leur contribution. Donc il faut apprécier toute occasion de se rencontrer vraiment donc, entre êtres vivants. Il est plus facile de faire une critique, on dit souvent, que de faire des propositions pratiques, c'est une sagesse plus banale, mais il est vrai aussi que parfois il est beaucoup plus difficile aussi dans la tête de prendre vraiment une distance suffisante pour tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous paraît évident ou naturel, plutôt que de faire des propositions pratiques qui restent toujours un peu dans le même. Évidemment, si la critique de la valeur critique aussi une certaine idolâtrie de la praxis, de l'immédiat, du militantisme, c'est aussi parce que il est vrai aussi que tout ce qui peut être fait maintenant, d'un jour à l'autre, et naturellement, ne peut nécessairement jamais aller trop loin. C'est vrai qu'il faut faire des choses tout de suite, mais si on se limite à ça, si il faut limiter les propositions à ce qui est réalisable, il reste aussi nécessairement des propositions très limitées. Parce que nous n'irons pas d'une semaine à l'autre sortir de l'argent du valeur du travail. C'est quand même une chose qui prendra au moins quelques décennies. Si la théorie n'a pas le droit d'évoquer des scénarios plus longs et plus difficiles, donc de certaine manière, on n'a jamais le droit, même pas mentalement, de sortir des cadres qui nous entourent. Voilà pourquoi on ne peut pas demander à la théorie de faire des propositions de loi à discuter au Parlement ou de statut d'une commune qui va se former la semaine prochaine. Ça peut être utile dans certains cas, mais il faut aussi une réflexion de base, justement aussi sur ces aspects qui peut-être ne sont pas à notre portée immédiate. L'argent, la valeur, le travail ne sont pas des catégories éternelles de la vie humaine, c'est quand même dans une très grande partie de l'histoire humaine, ils n'ont pas existé d'une façon tout à fait marginale. Dans la plupart du monde, ça ne fait que quelques décennies qu'on s'est défini à travers l'argent et à travers le travail pour gagner de l'argent. C'est quand même, déjà rappeler ce fait-là, combien il a une limitation historique de ce facteur, ça peut nous aider aussi à imaginer une sortie de quelque chose qui n'est pas éternel, ce n'est pas une destinée. Donc l'existence de l'argent, ce n'est pas comme la force de gravitation à laquelle on ne peut pas s'échapper. Il y a déjà aussi toutes les études aussi anthropologiques, sociologiques, historiques qui nous le rappellent, nous aident aussi à relativiser aussi à ce qui nous arrive. Ma conférence donc, porte plutôt sur l'interprétation du capitalisme et de sa crise. Quel genre de crise nous assistons? Est-ce que c'est une crise simplement financière? Est-ce que c'est une crise économique, une crise du néolibéralisme? Ou est-ce que c'est une critique du capitalisme, c'est-à-dire de la civilisation capitaliste tout court? Le capitalisme est une société donc, qui fait payer une tribut très lourde à l'humanité et à la nature pour son fonctionnement. Il y a aussi une deuxième chose qui est plus facile à présupposer aujourd'hui qu'il y a encore 10 ans, c'est le fait que le capitalisme traverse, c'est le monde des choses qu'on puisse dire, une grave crise et que son avenir n'est plus nullement garanti. Les mesures qu'on a prises après la crise de 2008 n'ont rien réglé sur le fond. Donc, les statistiques qui parfois annoncent un jour que l'économie espagnole va peut-être un peu mieux, un autre jour on dit que les exportations chinoises ont recommencé, le troisième jour que l'inflation a baissé, peut-être en Estonie. Bah, ces petites nouvelles ici et là ne peuvent pas vraiment cacher le fait que tout le monde sait qu'en vérité, donc, juste pour donner un exemple, la crise de 2008 avait été guérie de la même manière qu'un ivrogne peut guérir sa gueule de bois en buvant encore un double whisky. Donc à l'occasion-là, on a encore écrit une autre zéro derrière le chiffre déjà fantasque d'endettement mondial. Et donc même si il y avait une certaine reprise économique actuellement, ce d'ailleurs n'est pas le cas au sens global,
même si seulement pour payer les dettes supplémentaires qu'on avait fait 10 minutes pour éviter le crackdown immédiat. Il faudrait déjà des années et des années de fort développement économique, au moins pour revenir à la situation de 2007. Donc, est-ce que c'est donc une simple crise cyclique qui va passer tôt ou tard, comme d'autres crises l'ont déjà fait, ou est-ce que c'est la crise d'une qualité nouvelle, une crise qui peut-être, même si peut-être elle n'amènera pas un écoulement immédiat du capitalisme, a quand même tout le caractère de constituer une espèce de phase définitive du déclin de la société capitaliste après 2 siècles. Alors, poser cette question, comme je dis, au moins avant 2008, si on posait cette question, on était facilement classé un peu dans la même catégorie comme les personnes qui voient l'apparition de la Madone. Et cela à gauche comme à droite. Il existait bien sûr un petit nombre de personnes d'inspiration marxiste qui ont insisté sur la crise du capitalisme, et comme justement le courant duquel je me rappelle, qui est la critique de la valeur, qui était née d'abord en Allemagne autour de revues Crisis et Exit et de leur auteur principal Robert Kurz, qui ensuite a trouvé des émules ailleurs, et donc une courant donc, qui a insisté sur le fait que le capitalisme porte dans ses bases même une potentielle d'autodestruction, même sur le plan de la production de la valeur, et que nous sommes arrivés à peu entrés à peu près à partir des années 70 dans cette phase finale. Mais je répète, au moins jusqu'à une date récente, cette théorie était extrêmement minoritaire, parce que pour le reste, on pouvait peut-être critiquer le capitalisme, mais tout le monde, même à gauche, semblait convaincu de son éternité. Pour la droite, pour la pensée libérale et bourgeoise, pour l'économie politique bourgeoise, c'est évident que le capitalisme, l'économie des marchés, la concurrence sont le dernier mot de l'humanité et la seule façon pour être heureux. Mais peu à peu, même le marxisme traditionnel, même les différentes formes de gauche, radicales et modérées, se sont converties à cette idée que le capitalisme est une espèce d'horizon indépassable, qu'on peut tout à la limite tenter de le modérer, de le humaniser, de l'améliorer, ou peut-être même l'abolir partiellement, mais seulement par un acte politique. Donc, c'est-à-dire par une intervention extérieure, c'était aussi un peu les discours de la gauche radicale ou extrême. Donc l'affirmation que donc, il fallait surtout un acte d'intervention d'un sujet externe, donc classiquement le prolétariat révolutionnaire, dont après donc, on a nommé d'autres groupes comme prétendant à ce titre du sujet révolutionnaire. Mais dans tous ces cas-là, on présupposait toujours que le capitalisme aurait toujours pu continuer sur ses propres bases, que l'accumulation du capital, la valorisation de la valeur, la création des profits auraient toujours pu continuer si on le laissait pratiquement sans déranger, qu'il n'y avait pas une limite interne à la production capitaliste, et que la seule limite du capitalisme pouvait être dans une révolte créée par les conditions insupportables créées par les conditions de vie créées par le même développement capitaliste. On présupposait toujours que le capitalisme, en tant que tel, en tant que régime d'accumulation, avait une espèce d'éternité. Ce que nous voyons, c'est que rien ne marche plus. D'abord, au plan économique, le même gouvernement, un jour c'est la relance, un jour c'est l'austérité. Si on relance, après la dette se creuse. Si on veut faire de l'économie, évidemment, après on tue la croissance. Donc déjà, le même expert économique, le même think tank, le même gouvernement ne prétend pratiquement plus d'avoir des recettes. Tout ce qui semble améliorer les choses d'un côté, le fait empirer de l'autre. Le même gouvernement, maintenant, après la longue phase néolibérale, semblait s'être converti aux recettes keynésiennes en 2008 avec des programmes gigantesques de relance, mais maintenant, en vérité, il hésite tout le temps. Tout ce qui existe comme économie, entre guillemets, réelle, en vérité, est devenu tellement dépendant de l'économie des bourses et des dettes qu'en vérité, la préoccupation principale aujourd'hui des États, c'est surtout de maintenir leur crédibilité dans les marchés de emprunt, même au-delà de toute logique productive.
c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute de la finance? Est-ce que c'est la conséquence d'une conspiration néolibérale? Est-ce que c'est la faute des politiciens incapables? Et c'est la faute à la finance. Donc l'économie en tant que telle est saine. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a une poignée internationale de banquiers et de spéculateurs avides pratiquement qui ont pris l'argent de tout le monde et l'ont joué comme s'il était au casino, pratiquement l'argent des autres, qui ont, pour leur propre profit ou même pour leur propre folie, ont détruit pratiquement l'économie qui faisait vivre les autres. Et aujourd'hui, maintenant, les États doivent, avec des sommes énormes, faire sauver les banques, et en même temps, ils ferment les hôpitaux et ils ferment les écoles, parce que le même argent sert maintenant pour sauver les banques. Là, c'est donc le niveau quand même le plus superficiel de l'analyse qui évidemment n'est pas complètement faux, mais quand même, c'est une critique, je dis, qui n'y va pas du tout aux causes du problème, et en même temps qui personnalise, qui est une critique moralisante, qui veut expliquer le tout avec le défaut subjectif d'un groupe bien restreint de personnes, donc avec une espèce d'avidité excessive d'un groupe de personnes qui se... avec des manœuvres, aurait donc obtenu une espèce de pouvoir non dû. Et donc, il est facile de comprendre pourquoi cette vision du monde peut facilement donc porter une forme implicite ou explicite d'antisémitisme. La forme historique du fascisme est également proclamée volontiers d'être anticapitaliste, mais également attribuer la cause de la misère, du chômage, etc., toujours aux agissements de la haute finance juive, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, c'est rarement formulé en ces termes, la structure argumentative n'a pas trop changé. Et voilà pourquoi une seule critique de la finance, sans aucune critique des structures économiques qui ont produit la finance, vous les trouvez également donc, chez le Front National, chez tous les groupes d'extrême droite. Il n'y a rien de spécifiquement de gauche dans cette critique de la finance. L'hypertrophie des marchés financiers, que nous avons vu surtout dans les derniers 15 ans, est un symptôme de la crise du capitalisme, de sa crise de rentabilité, comme je tenterai d'expliquer. Donc ce n'est pas une cause, c'est un symptôme. En vérité, c'est la finance n'a pas ruiné une économie capitaliste qui autrement aurait pu continuer éternellement. C'est au contraire, sans le crédit, sans cette anticipation des gains futurs dans les crédits, parce que le crédit c'est ça, probablement le capitalisme se serait déjà écroulé depuis quelques décennies. Donc la finance, loin de mettre le capitalisme en crise, l'a encore sauvé, de certaine manière. Et de se plaindre de la finance, ce serait un peu comme dire qu'un paralytique ne marche pas parce qu'il a les béquilles, plutôt qu'évidemment c'est le contraire, il porte les béquilles parce qu'il ne peut pas marcher. Avec tout cela, évidemment, je ne veux pas dire que nous devons trouver les banquiers sympathiques. On ne veut pas nier que ça peut être des gros salauds. Moi, je dis que ce sont simplement des personnes qui ont profité d'une situation qui a des causes qui vont de bien plus loin. La critique unilatérale de la finance est aussi fausse que notre raison. Donc, elle se base toujours sur l'idée qu'on aurait faire des choses tellement meilleures avec tout cet argent plutôt que de le jeter dans la spéculation. Et en effet, souvent on dit ah, mais il faut recommencer avec l'état social, avec la santé, etc. parce que de l'argent, il y en a assez. C'est un argument assez répandu avec les altermondialistes. Mais c'est une argumentation qui prend pour de la monnaie vraie, cette espèce de monnaie de singe qui est une grande partie de l'argent qui circule dans le monde. Depuis les années 70, la production entre guillemets réelle, si on veut la mesurer par le PIB, le produit industriel brut, a à peu près doublé, donc, tandis que le volume des marchés financiers s'est multiplié à peu près par 10, même si c'est très difficile d'estimer. De toute manière, on peut estimer que pour au moins 80 ou 90% de l'argent qui aujourd'hui circule dans le monde, il circule également pas seulement comme monnaie, mais aussi sous forme de prix immobiliers, d'actions,
des dettes d'État, etc., que cet argent n'est pas du tout réel dans le sens qu'il représenterait un travail réellement exécuté. C'est de l'argent qui est basé exclusivement sur la confiance des créanciers entre eux. Donc, ça veut dire que cet argent que les bonnes âmes voulaient retirer de la sphère de la spéculation pour le consacrer à des utilités, à des fins plus utiles. Donc, cet argent, en vérité, est irréel. Et si on tentait, malheureusement, vraiment de le émettre dans la sphère de l'économie réelle, on ne ferait autre chose que des déchaînés, une hyperinflation gigantesque mondiale, parce qu'on découvrirait que cet argent est totalement excédent par rapport à l'économie réelle. Même les mesures les plus restreintes, les plus évidentes, comme la réduction des bonus des banquiers ou une taxe sur les transactions financières, chaque fois que les États doivent vraiment le décider, au dernier moment, ils les renoncent toujours. Et même les grandes institutions financières se plaignent que les banques n'ont absolument rien appris de la crise de 2008 et ont recommencé avec les mêmes pratiques considérées dangereuses, avec les dérivés, etc. Donc ce caractère non réformable, évidemment, du secteur banquier et financier, évidemment, est comme un résumé, une petite, du caractère non plus réformable du tout du système capitaliste. On peut dire sans faire tort à personne que justement tout ce qui est l'association attaque, le monde diplomatique, que ce qu'appellent les économistes, qu'on s'appelle non attitrés, attristés, etc. Tout ce monde-là se reconnaît dans la domination des néo-keynésiennes. Donc, pour eux, donc, ils parlent souvent contre le capitalisme. Ils se définissent même anticapitalistes comme une partie en France, mais en vérité, lorsque dans ces discours on parle de capitalisme, en vérité, on parle toujours de sa phase néolibérale. Donc toute leur critique, en vérité, est dirigée contre la forme la plus extrême, la plus brutale du capitalisme, qui est justement la phase néolibérale. On propose alors c'est une retour en arrière vers des politiques keynésiennes, donc des politiques qui stimulent la consommation, qui portent à une redistribution vers les salariés et vers le couchement riche de la population, aussi au but de stimuler la consommation intérieure plutôt que d'exportation. On présente le néolibéralisme comme une espèce de longue aberration, donc à laquelle on pourrait finalement quand même poser fin avec une intervention politique très forte et pour certaines manières revenir en arrière, reprendre une espèce de rôle fort de l'État, reconstruire un État social, revenir au plein emploi, etc., d'une certaine manière, revenir aux 30 glorieuses. Mais tout cela, justement, n'a pu se imposer qu'au moment où les politiques keynésiennes, les politiques de relance, se sont démontrées complètement incapables d'assurer encore la survie du capitalisme. À ce moment-là, on aurait pu penser de se sortir de la société capitaliste tout court, et c'était une option qui était effectivement présente dans la société à cette époque-là, après 68. Mais si on voulait continuer avec une société capitaliste, c'est-à-dire une société basée sur la valeur, sur le travail abstrait, sur l'argent et sur la marchandise, il n'était pratiquement plus possible de le faire différemment qu'avec une politique différente de la politique néolibérale. Donc je sais que ce que je vous dis, ça peut peut-être choquer certains gens, parce que c'est effectivement le contraire de ce qu'on dit très souvent à gauche et dans les discours altermondialistes. Alors, je vais maintenant justement tenter de proposer une autre critique plus large du capitalisme qui ne se limite pas à critiquer la seule phase néolibérale qui, au contraire, explique donc les excès du néolibéralisme comme la conséquence logique de cette fuite en avant que le capitalisme a été obligé d'exécuter depuis le début de sa carrière. Parce que le capitalisme a une espèce de dynamisme intérieur qui rend la valorisation de la valeur et l'accumulation du capital toujours plus difficile,
Et donc, il n'est pas possible de revenir, certainement de retourner à un stade antérieur du même développement. Mais même si c'était possible, en même temps, je me demande pourquoi on le souhaite. Cela ne me semble pas du tout une chose désirable. Les années 60, c'était comme exactement le monde étouffant contre lequel on s'est révolté en 68, contre un monde ennuyeux, donc avec... où on rentrait en même temps dans une entreprise pour rester jusqu'à 65 ans, avec toute la sécurité, évidemment, de la famille, de la retraite, etc. C'était exactement le monde qui faisait dire, par exemple, au situationniste Raoul Van Eghem en 67, nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim se change contre le risque de mourir d'ennui. Donc cette nostalgie des années 60 qui pointe donc assez fortement, je trouve, par exemple, même chez le sociologue Bourdieu, me semble se baser sur une idéalisation absolument indue d'une société qui n'avait rien de si beau. Donc c'était quand même la société où encore il y avait le service militaire obligatoire, où l'homosexualité était à peu près défendue ou presque, où il n'y avait pas le droit à l'avortement, etc. Si vous me dites que ça n'a rien à voir avec la structure économique, je pense au contraire qu'il y avait quand même un lien assez fort, parce que dans une société, il y a toujours tout ce qui se tient. On ne peut pas prendre les éléments qui nous plaisent et laisser de côté les autres. Très bref, ce n'est pas la naissance du monothéisme, au contraire, c'est la décomposition du christianisme à la fin du Moyen-Âge qui assurément a produit la première forme du capitalisme pour différentes raisons, parce que ça créait donc la logique de du gain individuel sur le protestantisme, ce sont des analyses déjà bien connues de Max Weber. C'est donc le monastère du Moyen-Âge qui a commencé à naître une valorisation positive du travail, c'était le mot qui ont inventé Bénédictin, qui ont lancé le slogan, comme on dirait aujourd'hui, ora et labora, donc c'est-à-dire qui ont fait du travail pas une malédiction, mais au contraire, comme une espèce de valeur morale de l'individu. Et c'est également aussi dans les monastères qui ont commencé à inventer une des bases importantes de la société capitaliste, c'est-à-dire une temps abstrait, une temporalité abstraite, avec l'usage de horloge, et donc une temps toujours égale, régulée sur les astres, donc différemment du temps vivant qui existait dans l'Antiquité. Donc là aussi, on peut citer des auteurs comme Jacques Le Goff. Une véritable naissance de l'argent, de la valeur et du capitalisme peut être trouvée à la fin du Moyen-Âge, surtout à travers ce que Kurz appelle la révolution militaire, la révolution des armes à feu. Donc, pour le dire très brièvement, ce qui a vraiment fait voler en éclat la société agricole traditionnelle était l'invention des armes à feu et des canons au début et des forteresses, donc pour résister aux canons, ce qui a obligé les États, les petits États européens, à investir énormément dans cette nouvelle technologie de la mort, et donc ce n'était plus faisable avec une rente agricole comme avant, donc se pouvait se contenter les seigneurs féodaux. Et donc voilà pourquoi assez rapidement les États nationaux naissants du 15e, 16e siècle ont rapidement monétarisé l'économie pour pouvoir financer cette industrie gigantesque. Donc, la véritable première industrie moderne était l'industrie de la mort. De même, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi le soldat s'appelle le soldat? Parce qu'il prend une solde. Donc ça veut dire qu'il est payé. Et ça veut dire pratiquement le soldat est pratiquement le prototype du salarié. Donc en vérité, le premier salarié au sens moderne, donc c'est-à-dire quelqu'un qui exécute un travail auquel il est complètement indifférent, seulement parce qu'on échange un salaire, c'était justement le soldat. Donc le capitalisme, c'était le mercenaire. Donc justement, le capitalisme n'est pas né, comme veut une légende lénifiante, comme conséquence d'une croissance harmonique et pacifique des échanges pour laquelle on satisfaisait toujours mieux les besoins humains, la légende libérale. En vérité, le capitalisme historiquement est né entre l'invention des armes à feu, le colonialisme, et donc il est né pratiquement dans le sang et dans la boue. Chose, parce que même la machine à vapeur avait été inventée déjà plusieurs fois dans l'histoire, mais comme on le sait, la machine à vapeur n'a pu commencer son triomphe en Angleterre à l'époque
après le processus que Marx a appelé l'accumulation originelle du capital, donc surtout qu'on avait chassé les paysans de leurs terres, donc avec le processus qu'on a reconnu comme l'enclosure, le clôture, et donc il y avait une masse, donc même la machine ne pouvait rentrer vraiment sur scène qu'au moment où il y avait aussi une masse assez large de personnes qui étaient dans des conditions si désespérées qu'elles ne pouvaient faire autre chose qu'accepter de faire tourner ces machines-là, le capitalisme. Il y avait en plus évidemment ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail, donc cette affirmation dans le monde à travers le travail. Il y avait la naissance d'une idéologie économique, c'est-à-dire la définition de l'homme à travers en tant qu'être qui cherche son profit maximal et non en tant qu'être qui cherche son salut de l'âme ou qui poursuit une vertu. Donc cette définition complètement nouvelle de l'homme également a eu lieu en Angleterre avant la révolution industrielle entre Hobbes, Mandeville et Adam Smith, qui a créé donc un être humain donc qui pratiquement se fiche de toute morale, donc qui ne vit que pour s'enrichir, une chose qui a été inconcevable pour toute société antérieure. Et donc seulement au moment où tous ces différents fils se sont unis, donc pratiquement on a eu la véritable révolution du capitalisme. Et après les choses sont allées assez vite, mais il faut aussi se rappeler que presque nulle part le capitalisme n'a été accepté par la population comme une bonne nouvelle, de manière finalement nous allons devenir plus riches, finalement au contraire, donc le capitalisme est arrivé en général donc sur le pont des armes, a été imposé à des populations récalcitrantes qui n'avaient aucune envie de devenir ni travailleurs ni consommateurs. Marx a donc vraiment réussi à mettre le doigt sur la catégorie de base, sur le fonctionnement essentiel du capitalisme, donc sur les catégories du travail abstrait, de la valeur, de l'argent, etc. Donc là, Marx a vraiment, d'une certaine manière, compris le cœur du capitalisme à un moment où ce cœur était encore peu visible, parce que tandis que Marx croyait décrire une société capitaliste pleinement développée, en vérité, il a décrit une société qui était encore largement mélangée à des restes féodaux. En vérité, le capitalisme était loin de son apogée. Donc c'était un énorme mérite de Marx d'avoir compris aussi, d'une certaine manière, le développement futur et sa structure, avoir mis à nu cette structure de base. Et donc, dans une grande partie de son œuvre, Marx a fait une analyse qui était absolument correcte pour son époque, des formes spécifiques et empiriques, comment ces conflits de base autour de la valeur s'expriment à travers une lutte de classe qui, essentiellement, si on le pense bien, n'est pas un conflit qui mène au-delà du capitalisme, mais essentiellement un conflit entre le personnel vivant du capital variable et le personnel vivant du capital fixe. Donc essentiellement, le conflit entre capitaliste et prolétaire n'est pas un conflit entre le capitalisme est quelque chose qui reste au dehors, mais entre les deux âmes du capitalisme. Parce que le capitalisme marche en tant que valorisation du travail. Le travail et le capital ne sont pas deux entités opposées. Rapidement, le mouvement ouvrier est devenu une partie intégrante du mouvement du capitalisme, donc il luttait pour donner des meilleures conditions justement au capital variable. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de conspirer cette lutte, c'est une lutte absolument importante qui a amélioré les conditions de vie des millions de personnes, mais il faut dire qu'en rétrospective, ce n'était pas une véritable lutte révolutionnaire. Donc c'était essentiellement une lutte pour l'intégration de la classe ouvrière dans le système capitaliste. C'était une lutte pour une meilleure distribution de la plus-value ou sur-valeur, on peut dire les deux choses. Donc ce n'était plus en général une lutte pour abolir les bases même de cette société. Et si cela a été vrai depuis le début, cela évidemment est devenu encore plus évident depuis que le prolétariat industriel, loin d'être la majorité de la population, est devenu une couche assez petite. Il ne coïncide plus du tout avec la partie la plus
la plus misérable de la population. On peut évidemment lutter pour aller au-delà du capitalisme, mais pas à partir des mêmes catégories que le font vivre. Justement, voilà pourquoi c'est souvent autour des questions comme la défense de la nature, l'urbanisme et d'autres choses qu'il se pose des questions d'un caractère plus fort, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les possibilités productives et autres qu'à l'humanité. Parce que même une lutte ouvrière, même une grève très radicale, même s'il porte à une forte augmentation du salaire, donc ça peut être un problème pour quelques capitalistes, mais ça ne porte pas du tout au-delà d'un système que nous vivons. Tandis que la lutte écologique, malgré leurs limites, pose quand même au moins effectivement le problème, par exemple, qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui ne rentrent pas, ou ne doivent pas rentrer dans une logique économique. Il y a des choses qui, même s'ils portent par exemple du profit, ou même s'ils donnent du salaire aux ouvriers, il ne faut pas le faire dans une centrale nucléaire ou une digue. L'autre lecture possible de cette crise est donc de dire que nous assistons à une espèce de une crise de tout le mode de production capitaliste ou encore plus largement de toute la civilisation capitaliste, même si le terme civilisation capitaliste est un peu ce qu'on appelle une logique, un oxymore, donc c'est-à-dire deux termes absolument incompatibles, comme dirait par exemple une carré rond. Mais donc, utilisons ce terme civilisation capitaliste pour indiquer donc une mode de vie sociale qui a commencé donc il y a deux siècles au demi dans les pays du nord d'Europe pour s'étendre peu à peu au monde entier. C'est un peu le noyau de ce que je veux dire, de ce qu'affirme aussi le courant de la critique de la valeur. Alors, quelles sont ces catégories de base du capitalisme? On peut essentiellement parler de quatre. D'abord, il y a ce que Marx appelle le travail abstrait. Je vais l'expliquer un peu mieux ensuite. Le travail abstrait, donc ça n'a rien à voir avec le travail immatériel. Le travail abstrait, ça veut dire que dans le capitalisme, en vérité, dans les procès de production, on fait abstraction du caractère concret du travail et de son résultat. On met tous les travaux, toutes les activités productives, on les met au même niveau comme une simple dépense d'énergie humaine ou comme Marx le dit, de muscles, nerfs et cerveaux. Donc le seul paramètre est le temps qui a été nécessaire pour exécuter un travail avec une indifférence totale pour son contenu. Cet travail abstrait donc, donne la valeur au sens économique de Marx, évidemment n'a rien à voir avec la valeur dans le sens moral, ce n'est pas une préférence, c'est un facteur objectif, mais objectif, ce ne veut pas dire naturel, c'est un facteur social qui apparaît comme naturel parce que c'est la société, ce sont les hommes qui ont créé la valeur et les autres catégories capitalistes, mais un peu comme dans la religion, après ils ont oublié qu'ils l'ont créé parce qu'ils n'ont jamais fait consciemment, donc ce facteur, toute la vie économique se présente face aux hommes comme quelque chose de toujours déjà donné, comme quelque chose de naturel, d'évident, qu'on peut à la limite tenter de changer dans les détails, mais donc on ne peut pas s'en passer. Et c'est exactement ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Avec ce terme quelque peu mystérieux, Marx ne voulait pas indiquer ni une adoration excessive des marchandises au sens psychologique, ni une mystification des conditions réelles de la production, parce que là, c'est l'interprétation que le marxisme traditionnel a toujours donnée du concept de fétichisme. Mais si nous lisons le passage, d'ailleurs pas très nombreux, où Marx parle du fétichisme, c'est clair, Marx analyse tout un système social où l'homme pratiquement ne gouverne plus les choses qu'il a créées, il ne gouverne plus sa propre vie sociale. L'homme finit par adorer les marchandises, pratiquement de la même manière que le sauvage, entre guillemets, adorait son fétiche en bois. Voilà pourquoi le terme fétichisme a aussi une forte connotation ironique chez Marx. Il veut dire, nous ne sommes pas du tout au-delà de la situation donc de ce que nous appelons les sauvages, nous également, notre vie économique donc, nous dépasse, donc, nous irons transférer notre propre pouvoir social de création sur les objets qui nous échappent, de même que ça arrive dans l'illusion religieuse.
Donc, les produits, évidemment, du travail abstrait, ce sont des marchandises. Ce ne sont pas simplement des produits, mais ce sont des marchandises en tant qu'objets qui ont en même temps une valeur et une valeur d'usage. Je retournerai tout de suite. Et cette valeur est comme une catégorie abstraite que personne n'a jamais touchée parce qu'il prend après la forme visible de l'argent. Donc, l'argent. Est une marchandise qui représente les autres marchandises et cet argent est le seul but de la production capitaliste. Et alors justement, la grande révolution théorique de Marx, qui très souvent n'a pas été comprise, même par les marxistes, est justement que Marx, différemment aussi des autres économistes qui l'ont précédé, comme Adam Smith et David Ricardo, il ne prend pas le travail, l'abstrait, la valeur, l'argent et la marchandise comme des catégories évidentes, naturelles, qui existent dans toutes les sociétés. Et comme on dit aujourd'hui presque partout, des gens, ah oui, mais déjà, les primitifs, ils échangeaient des coquilles, et l'homme, il a toujours dû travailler pour vivre, etc. Non. Marx, il analyse des catégories précises qui d'abord n'existent que dans la société capitaliste, au monde dans la forme que les connaissons aujourd'hui, le travail abstrait, la valeur, l'argent et la marchandise n'existent que dans une société capitaliste. Et ensuite, Marx les analyse comme des catégories pas neutres, pas évidentes, mais comme des catégories destructrices, comme des catégories qui empêchent une vie sociale où l'homme peut maîtriser sa propre production. Et essentiellement parce que ce sont des catégories où le concret se trouve subordonné à l'abstrait. Le seul but dans l'économie capitaliste, c'est de transformer 100 euros en 110 euros, après le 110 euros en 120 euros, etc. Cela, donc, ce n'est pas dû à l'avidité particulière de certaines personnes. En vérité, cette avidité a toujours existé, peut-être elle n'était pas moindre dans les sociétés pré-capitalistes. Donc, ce n'est pas. La différence entre le capitalisme et la société pré-capitaliste, c'est que la logique capitaliste est une dynamique autonomisée et déchaînée par rapport à tous les besoins, à tous les valeurs d'usage, où il existe une espèce de doublement de la richesse. Donc il existe d'un côté les valeurs d'usage, mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse dans une production capitaliste. Ce qui intéresse, c'est la valeur dans sa forme visible de l'argent. En effet, tout le monde sait que dans notre vie, une fois que nous dépassons le bord de la famille ou des amis, tout se tourne autour de l'argent. Donc, notre vie dépend de l'argent. Je répète, ce n'est pas une question où l'individu peut faire le choix. Il est obligé à faire ainsi. Donc, la seule mesure est le temps. Donc, la seule différence entre, pour l'individu du travail abstrait, entre une table et la beauté, c'est peut-être la table a coûté une heure de travail, disons, je simplifie évidemment, inclut évidemment tout le travail qui était nécessaire pour créer tous ces composants, l'énergie utilisée, etc. Et peut-être la beauté n'a coûté que 5 minutes. Donc du côté du travail abstrait, on annule, on élimine, on efface toute différence entre les usages, on ne fait qu'une différence purement quantitative entre une chose qui vaut 10 fois plus que l'autre. Et donc, par exemple, tout le fait de pouvoir satisfaire des besoins humains n'est qu'une espèce d'effet collatéral pour la production des marchandises. La seule chose qui intéresse le marché, je répète, c'est de transformer 100 euros en 120 euros. Si on le fait en produisant des bombes ou des jouets, c'est absolument secondaire. Je répète, ce n'est pas une question parce que ceux qui produisent des bombes sont nécessairement des salauds, mais parce qu'évidemment, il y a une logique capitaliste où la concurrence élimine ceux qui ne se plient pas à cette loi. Et Marx, en effet, parle de la double nature du travail. Donc, chaque travail a une double nature. Chaque travail est en même temps abstrait et concret. Parce que d'un côté, ça reste toujours un travail qui produit une table en bois. Et en même temps, c'est un côté abstrait, c'est le fait que ça coûte une heure. Et même ici, donc, ça a toujours les deux côtés. Le travail du plastique, il y a les 10 minutes. Mais ce qui devrait intéresser du point de vue humain, c'est-à-dire le caractère concret, son utilité, sa beauté, disparaît sur le marché face à la seule chose qui intéresse, le côté abstrait du même travail. Cela donc n'est pas du tout naturel, ça n'a pas toujours existé,
Donc, surtout, les sociétés précapitalistes ne connaissaient même pas le travail au sens moderne, c'est-à-dire on ne mettait pas toutes les activités humaines sur le même plan. Il y avait toujours une multiplicité d'activités, donc chaque activité est toujours spécifique à son but, et en général, toutes les sociétés précapitalistes considéraient le travail comme une malédiction. Donc, c'était l'effort qui était nécessaire pour arriver au but. Donc, si on pouvait arriver sans effort, autant mieux. Dans la société des capitalistes, au contraire, a fait du travail pratiquement l'essence qui fait tourner la machine sociale, parce que ce n'est que le travail qui contient le surtravail et qui donne donc aussi la survaleur qui fait le profit. Donc la seule façon dans le capitalisme pour acquérir la richesse, c'est d'approprier le travail autrui ou de faire même son propre travail. Mais de toute manière, de travailler le plus possible. Plus on travaille, plus on crée de la valeur et donc de la sur-valeur. Donc la société capitaliste est une société où il faut travailler ou faire travailler le plus possible, au-delà de tout but possible. Et si toutes les besoins sont satisfaits, il faut alors en inventer des autres pour avoir une manière de travailler davantage, pour travailler toujours plus. Parce que, je veux dire, la seule chose qui... personne n'entre dans le marché avec 100 euros avec le but d'en avoir autant à la fin de son cycle productif. On le fait pour en avoir davantage. Lorsque, par exemple, une diminution du travail nécessaire en agriculture fait chuter fortement la valeur de des produits agricoles parce qu'ils contiennent moins de valeur, alors, par exemple, dans ces cas-là, par exemple, une quantité plus grande d'objets utiles correspond à une quantité mineure de valeur. Donc la productivité du travail obtenue grâce à la technologie devient paradoxalement dans le capitalisme un problème, un mal. Parce qu'avec moins d'efforts, on peut produire des choses, moins ils ont de la valeur. Et on peut, par exemple, comme ça arrive tous les jours, jeter les excédents agricoles dans la mer, justement pour tenir le prix. Donc dans ces cas-là, par exemple, le côté concret des produits agricoles de pouvoir satisfaire la faim est totalement subordonné, par exemple, au caractère abstrait du même produit, et qui se trouve dans ces cas-là pratiquement trop réduit pour être encore intéressant. Ce facteur, évidemment, s'est accentué par la coïncidence actuelle de plusieurs formes de crise écologique, économique et énergétique qui porte à une accélération continuelle de différentes crises et donc qui augmente beaucoup la conscience que nous sommes dans un avion où il n'y a pas de pilote. Mais au niveau structurel, cela a été le cas depuis le début, justement parce que le capitalisme est un mode de production qui est indifférent au contenu, comme je dis. Du point de vue de la valorisation de la valeur, c'est indifférent que celui-ci est une table, que cela est une bouteille, que l'autre chose est une bombe. Donc la logique capitaliste est aveugle face à tout ce qui peut être qualité, contenu, considération humaine. Donc, c'est déjà donc, un système assez peu vivable, et en plus, c'est un système aussi qui porte à la catastrophe écologique. Donc, si je peux faire une chemise dans une heure, et comme faisait l'artisan traditionnel, il y a par exemple un taux de profit de 10%, alors par exemple, donc, sur les 60 minutes, il y a 6 minutes encore de profit pour l'employeur. Si avec des machines, le même ouvrier peut faire une chemise en 10 minutes, donc maintenant, il n'y a plus 6 minutes de surtravail, mais seulement, je crois, 1 minute, de manière beaucoup moins. Et donc là, c'est l'autre facteur. Donc le capitalisme serait déjà un problème si c'était un système stable, mais en plus, ce n'est pas un système stable, c'est un système qui a un dynamisme historique qui existe depuis le début, parce que ça fait partie de sa structure même profonde. Et c'est la contradiction, de certaine manière, centrale du capitalisme, qui est aussi la cause de la crise que nous vivons aujourd'hui sur le plan et économique et écologique. Donc cette contradiction est la suivante. Donc il n'y a que le travail vivant qui crée cette valeur, qui est la seule chose qui intéresse dans une logique capitaliste, qui se manifeste sous forme d'argent.
Mais il y a aussi une concurrence. Le capitalisme n'a jamais pu être stablement une société régulée. Donc ça n'a marché ni avec le fascisme, ni avec le New Deal, ni avec le stalinisme. Le capitalisme est essentiellement une société de marché où se rencontrent des acteurs anonymes sans aucun accord préalable. Et donc il y a une concurrence aussi entre tous les capitaux particuliers ou entre les capitalistes, si nous voulons, qui pousse donc à utiliser toutes les inventions technologiques possibles pour obtenir une plus grande productivité avec la même force de travail. Et nous avons et donc cela, donc c'est un processus qui se répète continuellement. Donc les premiers qui ont réussi à augmenter la productivité de la force de travail grâce aux technologies obtiennent un extra profit en pouvant vendre plus bas leurs produits. Et donc voilà pourquoi la tentation d'utiliser ces technologies est irrésistible pour chaque capitaliste. Mais à la longue, et c'est un facteur dont on ne tient pas assez compte, à la longue, c'est le système dans son ensemble qui en souffre parce que cette invention se généralise assez rapidement et donc après, toutes les chemises du monde sont faites dans 10 minutes et pas seulement dans une heure. Et donc ça veut dire que toutes les chemises ensemble représentent une masse de valeurs et donc aussi de survaleurs et donc aussi de profits moindres qu'avant. Donc il y a donc une logique effectivement inéliminable pour laquelle le capitalisme, pour le dire avec une métaphore, scie tout le temps la branche sur laquelle il est assis, ou pour le dire, chaque capital particulier, en suivant son intérêt particulier, en vérité contribue en permanence à ruiner l'ensemble. Alors, la question est alors pourquoi ce système ne s'est déjà écroulé très vite déjà à ses débuts? La réponse, évidemment, c'est dans l'augmentation globale de la production. Si chaque chemise, maintenant, dans notre exemple, contient seulement une sixième du travail sur travail qu'avant, il suffit de faire six chemises au lieu d'une pour avoir la même masse de valeurs, et même sept pour en faire davantage. Alors le capitalisme est donc, dès le début, vécu une expansion gigantesque de la production, rendue possible, mais aussi nécessaire par les innovations technologiques continuelles. Et donc, pendant très longtemps, d'une certaine manière, cette augmentation de la production globale a pu compenser, voire surcompenser, la chute de la valeur contenue dans chaque marchandise particulière. Dans la discussion marxiste traditionnelle, ce phénomène était très partiellement connu avec le terme de la chute du taux de profit. En vérité, la chute du taux de profit sur laquelle les générations des marxistes se sont arrachées les cheveux l'un à l'autre, en vérité, était seulement la partie de notre problème plus vaste, pratiquement personne n'avait conscience. Il y avait une chute absolue de la masse des valeurs et donc des survaleurs, et pas seulement du taux. Justement, ce facteur n'était pas visible à cause de l'expansion continuelle de la production capitaliste, c'est-à-dire qu'il arrivait toujours de nouveaux produits sur le marché qui absorbaient beaucoup de travail dans leur production. Donc, l'exemple le plus classique, c'était l'automobile. Voilà, donc le terme de Fordisme est bien choisi. Donc, le capitalisme a vécu pendant des décennies essentiellement en suffoquant le monde entier donc, sous une couche épaisse de voitures. Mais, donc, toutes les fables bonnes et mauvaises finissent, et donc, effectivement, ce mécanisme n'a plus fonctionné à partir d'un certain moment. Aussi, on peut dire, grosso modo, que c'était la révolution micro-informatique dans les années 70, combinée à d'autres facteurs, qui finalement a fait que les gains de productivité étaient tels qu'ils ne pouvaient plus être compensés avec une augmentation de la masse des produits. Et donc, ce qui est arrivé, on peut dire à peu près à partir de cette date-là, donc peut-être il y a 40 ans, le capitalisme a effectivement atteint cette limite en termes qu'il hante depuis le début. Là, on peut aussi dire que les deux événements presque contemporains, c'est-à-dire l'abandon de l'étalon d'or pour le dollar en 71
Et le premier rapport du Club of Rome sur les limites de la croissance ont pratiquement effectivement sonné les glas de la production capitaliste. Et à partir de cette date, le capitalisme marche essentiellement à travers quoi? À travers la simulation, donc à travers le crédit, à travers ce que Marx appelle le capital fictif. Donc on commence, on a énormément augmenté ce qui existait déjà avant, c'est-à-dire le recours au crédit. Les entreprises, les États, les privés, ils vivaient essentiellement avec des crédits qui se référaient à des termes toujours plus longs, en commençant à payer les intérêts sur les crédits avec des nouveaux crédits, après avec des nouveaux crédits sur les crédits, etc. C'est toute l'histoire qu'on connaît. Et maintenant, tout le monde parle évidemment des effets terribles de la dette des États, de la dette privée, mais cette même montagne astronomique de dette est pratiquement n'est que la traduction d'un autre facteur dont on parle beaucoup moins, c'est le manque de rentabilité du système capitaliste même, qui était partiellement reconnu par les économistes sous le nom de suraccumulation, ça veut dire qu'il y a trop de capital et il n'y a plus assez, il est devenu toujours plus rare de trouver une force de travail qu'il vaut encore la peine de exploiter parce qu'il faut une nouvelle technique énorme afin qu'une force de travail donne vraiment un profit pour son employeur. Si l'axe donc du capitalisme s'est toujours plus déplacé dans les dernières 40 ans vers la création financière et vers la création des titres de propriété au lieu des objets et services réels, donc cela n'était pas la conséquence d'une fausse politique ou d'une conspiration, mais c'était essentiellement dû au fait que le deux formes de richesse, c'est-à-dire la richesse concrète et la richesse abstraite exprimée en argent, qui est le résultat du travail abstrait réellement exécuté, que ces deux formes de richesse ont toujours plus divergé, une masse toujours plus grande des valeurs usage correspond à une masse toujours mineure des valeurs monétaires. En effet, il y a une chose, donc, lorsqu'on parle toujours des crises, donc des misères, aujourd'hui, il y a une chose qui est tellement élémentaire qu'on n'en parle presque jamais, c'est le fait qu'il n'existe pas une crise dans la production. Il n'y a pas, c'est-à-dire, au contraire, on produit beaucoup trop. Il n'y a pas une crise dans notre capacité de produire ce qui est nécessaire. Et nous ne sommes pas dans la situation au Moyen-Âge où lorsque, dans les cas de mauvaise récolte, il n'y avait vraiment rien à manger. Aujourd'hui, et en même temps, le problème ne se réside pas seulement dans une fausse distribution, parce qu'il y a beaucoup de possibilités productives qui ne sont même plus utilisées, comme je dis, comme l'abandon de l'agriculture dans le sud du monde. Le problème n'est pas seulement la distribution, le problème simplement c'est la non-coïncidence toujours plus radicale entre la richesse concrète et la richesse abstraite monétaire et le fait que la richesse, la richesse concrète se voit toujours abandonnée, éliminée, jetée à la mer lorsqu'elle ne coïncide pas avec cette richesse monétaire. C'est aussi la question du système fétichiste dans lequel nous sommes tous et où le facteur abstrait finalement prévaut chaque jour des milliards de fois sur les choses concrètes. La misère que nous vivons aujourd'hui et même le retour de certaines formes de misère directe dans le centre capitaliste qu'on n'aurait pas cru possible pendant les Trente Glorieuses, tout cela est la conséquence des facteurs structurels que j'ai dit. Il est dans la logique même de la d'une production basée sur la valeur de rejeter des parts entières de la population dans la misère lorsqu'ils ne servent plus à la production de la valeur. Donc on ne peut pas maintenant, comme j'ai déjà dit, couper les excès du capitalisme pour revenir vers un capitalisme plus sain ou plus modéré ou à visage humain. Et l'autre chose qui est presque ironique, c'est aujourd'hui abolir le travail et l'argent, ce n'est pas un projet utopique des gens, des rêveurs comme Fourier ou des gens d'extrême gauche. C'est le capitalisme lui-même qui l'a déjà fait. C'est le capitalisme même qui a aboli le travail. Parce qu'évidemment, on voit que depuis des décennies, le chômage ne fait qu'augmenter. On sait beaucoup qu'en vérité, une bonne partie de ceux qui travaillent aujourd'hui, en vérité, ne sont pas du tout utiles du point de vue du système. Ils seront également au chômage quand les choses seront plus dures. Donc c'est la société du travail qui finalement
est en train d'abolir le travail, qui n'en a plus besoin. Même chose pour l'argent. Comme je dis, une grande partie de l'argent circule aujourd'hui. C'est une argent sans valeur, c'est une argent sans base, qui est créé simplement par des opérations politiques ou financières, mais qui ne représente plus du tout des procès productifs réels. Donc l'abolition de l'argent et du travail, et donc aussi de la valeur de la marchandise, n'est pas un programme futur. Ben, c'est une réalité qui est déjà en acte, comme l'écroulement du capitalisme. Si on n'entend pas cet écroulement comme l'événement d'un jour, comme un processus, ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver. Il y a déjà une partie de l'humanité qui vit déjà dans des conditions qui ne sont pas du tout celles d'un capitalisme comme cycle de production et de consommation, mais qui ne peuvent même plus revenir en arrière vers une société agricole ou d'autosubsistance, mais qui doivent venir dans une société post-capitaliste de la pure survie continuelle. Ce problème peut être encore plus grave, et c'est le problème pratiquement de l'être superflu. Le capitalisme a créé une situation où une bonne partie de l'humanité, une partie croissante, se trouve simplement surnuméraire, superflue, il n'a plus besoin. Et là, à la longue, ça a des conséquences encore plus terribles, parce qu'avant, la logique capitaliste avait besoin de l'exploiter du prolétaire, et même le chômeur était chômeur de manière temporaire pour baisser le salaire des autres. C'était ce que Marx appelait l'armée industrielle de réserve. Aujourd'hui, il y a peut-être encore pire, il y a une bonne partie de l'humanité qui ne sert pas, qui ne servira plus jamais dans la logique capitaliste, ni pour produire, parce que leur force de travail ne sert pas, et donc cette partie ne sert même pas en tant que consommateur. Et donc, du point de vue de la logique du système, cette partie de l'humanité, ben, on l'abandonne à soi-même, et à la longue, elle ferait mieux de disparaître. La crise de l'argent, par exemple, un grand défaut des paiements, ou lorsque la crise de chaîne de crédit vont vraiment se rompre, lorsque personne ne veut plus donner de l'argent, ou lorsque l'argent va être invalidé du coup. Donc tout cela, ce serait une catastrophe par tout le monde. Le capitalisme, de certaine manière, j'aime dire, c'est plus contre soi-même que tous ses adversaires réunis dans les dernières décennies. C'est le capitalisme lui-même, comme je dis, qui pratiquement s'est porté au bord de l'abîme, qui a largement aboli le travail et l'argent, et qui pratiquement est devenu non rentable. Mais tout cela ne signifie pas du tout que nous sommes, qu'il est garanti ou qu'il est automatique que nous entrerons dans une société meilleure. Cette décomposition a comme son horizon évident pas la révolution, mais au contraire, ce qu'on peut appeler la barbarie ou la anomie, donc c'est-à-dire une situation où pratiquement tous combattent contre tous. Oui, mais on ne peut le regarder qu'avec des sentiments mélangés. C'est comme si on est en prison et la prison prend feu. Donc on ne sait pas si la porte va s'ouvrir ou si on va périr dans le feu, dans l'incendie de la prison. Par exemple, le soldat qui n'est plus payé et ne va plus servir le grand État, bah, il va probablement former une bande armée et être mercenaire pour son propre compte. Je souscris pleinement au titre des premiers décroissants français, François Partant, qui avait fait un livre dans les années 70 qui s'appelle « Que la crise s'aggrave ». Donc moi je ne suis pas du tout parmi ceux qui se demandent comment nous pouvons sauver notre modèle de vie ou comment nous pouvons sortir de la crise. Heureusement, ce n'est pas la seule issue possible. Et on voit aussi, même dans les zones de crise du monde, des initiatives de auto-aide, de solidarité, de comités des quartiers, de reprise des modes de vie traditionnels. Qu'est-ce que ce soit, par exemple, la reprise de forme collective des propriétés de la terre chez les Indiens en Amérique latine, ou que ce soit, par exemple, des tentatives de remettre des formes de revitaliser, par exemple, des formes autogérées d'artisanat, même en Europe ou ailleurs. Ce sont 1000 tentatives, souvent critiquables dans le détail, mais qui sont même, tentent justement de se opposer à cette dérive vers la barbarie ou vers la guerre de tous contre tous, qui, si on n'intervient pas, est la conséquence la plus évidente, la plus spontanée de cette décomposition aussi, parce que sortir du capitalisme ne peut pas être simplement une réforme économique, c'est moins que jamais
imaginer de rétablir le plein emploi, de reprendre la croissance d'autres balivernes. Donc sortir du capitalisme ne peut signifier que de construire peu à peu d'autres formes de vie qui sont axées sur le besoin et pas sur le dieu, argent. Ça veut dire un véritable changement de civilisation qui implique également la rupture avec tout productivisme, là au moins la décroissance a raison, la rupture avec la société de consommation, avec la tyrannie de la technologie et aussi avec les structures psychiques qui vont avec, comme le culte de la concurrence, le culte du moi, le culte du narcissisme. Il faut aussi comprendre que du point de vue du système, nous sommes potentiellement tous superflus, inutiles, non rentables. Ce nombre va toujours augmenter. Il est inutile de penser individuellement et collectivement encore de nous faire accepter comme étant encore utile du point de vue du système. Ça peut marcher pour quelques-uns, mais à la longue, ça ne va plus marcher pour presque personne. Donc il faut rompre aussi avec cette idée. Il faut rompre avec l'idée de la recherche de l'emploi, de l'argent et de la rentabilité. Après, peu à peu, tenter comment bâtir justement pas une autre économie, mais une autre civilisation. On conçoit souvent contre toute évidence l'État comme le bon pôle de la socialisation, comme le contraire du capital, comme l'instance publique qui serait capable de limiter le capitalisme si seulement il y avait une véritable volonté. Évidemment, c'est toute la gauche politiciste qui vit de ce que je qualifie comme une illusion, parce que historiquement, l'État n'a jamais été une instance neutre et encore moins démocratique que populaire. L'État a largement contribué à faire naître le capitalisme avec en créant les conditions cadres, par exemple, de l'accumulation originaire en Angleterre, que je venais d'évoquer. Il y a eu des phases où il y avait un certain retrait de l'État, comme au XIXe siècle, mais dès que le capitalisme entre en crise, l'État arrive toujours à nouveau, pour réguler aussi la concurrence entre capitalistes, pour évidemment réguler la lutte des classes, et aussi pour assurer les infrastructures qui ont une poids croissant dans l'économie capitaliste. Et il y a On sait que depuis le XIXe siècle, il y a eu une augmentation continuelle des dépenses d'État, du rôle de l'État dans l'économie, qui d'ailleurs ne s'est même pas arrêté pendant l'époque néolibérale. Donc le capitalisme ne pouvait pas vivre sans État. En même temps, l'État ne peut pas vivre sans capitalisme. Si un gouvernement de gauche veut rétablir l'État social, il faut d'abord qu'il trouve quelque part l'argent. Ou sinon, s'il veut justement arriver à une distribution directe de ressources et pas une distribution d'argent, là, alors il faut commencer à rompre avec une logique capitaliste. Il faut, par exemple, exproprier des bâtiments et les donner aux gens plutôt que de leur donner de l'argent. Mais là, aucun gouvernement, même qui se réclame de gauche, n'est jamais arrivé à ça. Donc aujourd'hui, la tâche que vous l'appelez le révolutionnaire ou le réformiste, c'est pas important. C'est surtout d'assurer des formes, d'organiser des formes de réaction qui ne sont pas des formes barbares. Aussi, je pense que ça dépend aussi de la diffusion de certaines idées, de certaines théories. Et voilà pourquoi, je nie absolument que ces discussions, ces théories soient inutiles, parce que même s'ils ne débouchent pas directement sur des propositions concrètes comment intervenir, ils doivent quand même bâtir un nouveau terrain mental sur laquelle créer d'autres formes sociales, par exemple la critique du travail comme très utile, je trouve, pour faire de manière que les personnes arrêtent de se définir à travers le travail qu'elles sont obligées de prêter dans le système capitaliste, et afin qu'on commence à chercher la possibilité de vivre et pas la possibilité de vendre sa force de travail. Bon, des sociétés où il reste encore de certaines solidarités traditionnelles, certaines traditions, c'est plus facile à faire qu'avec les individus qui sont complètement passés par le bain d'acier d'une socialisation capitaliste à travers plusieurs générations. On peut bien sûr dire que, malgré toutes leurs limites, que les apatistes, c'est comme une expérience intéressante que, dans ce sens-là, de créer un îlot, c'est aussi vrai.
qu'ils mobilisent quand même assez largement des traditions ancestrales dans leur cas. Hein. Donc c'est très positif. Je ne sais pas si on peut facilement faire la même chose dans la banlieue de Paris ou de Londres.